Je vais vous lire quelque chose que McDonald a dit. Ce n'est pas un hasard. It is not by coincidence. Si le sermon sur la montagne est placé au début du Nouveau Testament. If the teaching about the mountain is coming above or before the New Testament. Sa position souligne son importance. His position submits the importance. Sa position souligne son importance dans cette charte. Its position underlines the importance on this constitution. Le roi résume. The king summarizes ce qu'il attend de ses sujets. What is expecting on this topic? C'est-à-dire les citoyens de son royaume. That is the citizens of his kingdom. Sur le double plan de leur nature et de leur conduite. That is on the double plan of their nature and their work. Prenez ça au sérieux. Take this seriously. C'est une révélation pour moi. It's a revelation for me. Je cherchais la volonté de Dieu sur ce qu'il fallait enseigner à l'UMPJ. I was seeking the will of God on what I was to teach for this World University of Prayer. Pourquoi? Why? Parce que j'avais pris l'engagement. Because I took the commitment. De laisser la responsable de l'UMPJ Côte d'Ivoire résumer l'enseignement du frère Théodore elle-même, parce que c'est elle qui va souvent là-bas pour nous tous. Because I took the commitment to allow the leader of the University of Prayer to summarize the teaching of Brother Theodore for UMPJ herself. Donc, l'UMPJ Côte d'Ivoire est encyclopédique. Where University of Prayer Côte d'Ivoire is an encyclopedia. Pour le moment. For the moment. C'est-à-dire qu'une session comme celle-ci peut traiter plusieurs thèmes. That is, a session like this can treat many different topics or themes. Un jour, on pourra en avoir pour les mariés, pour les célibataires, pour les enfants, pour les ministres de prière. Mais pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le front commun stratégique. One day we can have for married people, for singles, for children, for ministers to prayers. But for today, this is what we call. Ce que j'appelle. This is what I call. Ou ce que je peux appeler. Or what I can call. Le tronc commun stratégique et spirituel. That is a common strategic or spiritual topic. Mais quand moi j'arrive. But when I get there, je dis des choses qui vont vous guérir. When I come here, I give you things that can heal you. Qui vont vous traiter comme des enfants qui ont besoin d'être fortifiés à l'intérieur d'eux-mêmes. That can treat you as children who need to be treated from within. Je vous dis des choses qui vont vous permettre de maîtriser le développement de l'œuvre dans la nation. I give you things that can make you understand the level of development in the nation. Face à nos ennemis réels. That is, in front of our real enemies. Ainsi, vous avez une notion qui vous permet d'aller maintenant pratiquer les cours de l'UMPJ. Therefore, you have an anointing that allows you to go and practice the lessons you've learned on the way University of Prayer. Dans le monde, on se moque souvent du pote Alexandre. In the world, they sometimes laugh at Apostle Alexander. C'était un poète qui chantait les cantiques alors que Rome brûlait. They sometimes laugh at the writer Alexander, who normally sings hymns. Parce qu'il faut que les cantiques, il chantait les cantiques pendant que Rome brûlait.
He used to sing hymns while Rome was being born. Ça veut dire qu'il faisait la poésie pour la poésie, sans but. So he was just doing poetry without goal. Mais nous avons toutes sortes d'évangélisations ici dans la nature, dans la nation. So we have all kinds of gospel here in the nation. Chacun dit sa part. Everyone is saying his own thing. Certains sont même sortis du milieu de nous. Some have even left our midst. Convaincus que le péché n'existe plus. Being convinced that sin doesn't exist anymore. Qu'on ne se repent pas. That you don't repent of sins. J'ai toujours dit que ceux qui font des pareilles choses vivent dans le péché, mais ils cherchent des consolations pour rester dans le péché. I've often said that those who do this kind of things live in sin, but they are looking for a situation to continue living in sin. Mais si toi-même tu es dans l'ignorance, but if you are ignorant, que tu ne sais rien de la doctrine de Jésus, and that you know nothing about the doctrine of Jesus, tu peux sortir d'ici. You can come out from here. Avant même que tu ne commences à appliquer ton cours, l'ennemi t'a déjà trompé. Even before you start applying your lessons, the enemy has already deceived you. Pourquoi Jésus a-t-il parlé à la montagne? Why did Jesus speak on the mountain? Tu verras que certains ne savent même pas pourquoi. You see that many do not even know why. Pourquoi le sermon sur la montagne est-il placé au début du ministère de Jésus? Why is it that the lesson on the mountain came before Jesus' ministry? C'est ça que MacDonald est en train de dire. That is what MacDonald is trying to say. C'est pour montrer que Jésus est roi. It is to show that Jesus is king. Il a un royaume. And that he has a kingdom. Il y a une morale et une conduite qui doivent caractériser ses sujets, c'est-à-dire les gens de son royaume. And that there is a morals, that there is morals and a style of living that has to characterize his kingdom. Et on constate que le type de personnes and we notice that qui entrent dans son royaume sont le type que le monde rejette. And we notice that the type of people that enter into his kingdom are the kind of people that the world rejects. Pour un païen, for a pagan, que veut dire être pauvre en esprit? Which means, what does it mean to be poor in spirit? Ça ne lui dit rien du tout. It means nothing to him. Chaque païen veut montrer qu'il est fort. Every unbeliever or pagan wants to show that qu'il est intelligent, qu'il est sage, strong, that she's wise. Mais Dieu a dit, but God said, j'anéantirai la sagesse des sages. That I am going to bring to naught the wisdom of the wise. Et je détruirai l'intelligence des intelligents. And that I will destroy the intelligence of the intelligent. Où est donc le sage? Où est le scribe de ce monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Where is it then the wisdom? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 21. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convenu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Amen. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Amen. Amen. Où est le sage? Where is the wise? Où est le scribe? Where is the teacher of the Où Lord? Est le disputeur de ce siècle? Where is the philosopher of this age? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Has not God made foolish the wisdom of the world? Jésus connaissait toutes ces choses. Jesus knew all these things. C'est pour cette raison qu'il déclare It is for this reason that heureux les pauvres en esprit. That happy are the poor in spirit. Dieu a détruit la sagesse des sages. God has destroyed the wisdom of the wise. Il a anéanti l'intelligence des intelligents. And he has brought to naught the intelligence of the intelligent. Tous ceux qui pensent qu'ils sont sages, selon ce monde, en réalité, ils sont fous. All those who think that they are wise, according to this way, in reality, they are crazy. Heureux les pauvres en esprit. Happy are the poor in spirit. Eux, ils ne savent pas poser ces questions-là. They do not know how to ask this question. Et ils croient seulement. They just believe. Jésus est le Fils de Dieu. Jesus is the Son of God. Et ils croient. And they believe. Ils croient. They believe. Les autres sont très sages, très sages. The others are very wise, very ils wise. Ils se croient très, très intelligents. And they feel very intelligent. Et ils posent des questions à Dieu. Ils posent des questions à Dieu. And they ask God questions. They ask God questions. Et le Saint-Esprit demande, mais où sont-ils même? Où sont-ils alors? Qu'ils viennent nous dire comment Dieu a créé les cieux et la terre. And the Holy Spirit is asking, where are they? Let them come and tell us how God created the heavens and the earth. À l'époque, les philosophes raisonnaient beaucoup. In the past, philosophers used to reason a lot. C'était l'époque où il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas la sono. It was an era where there was no microphones and no sono. Les livres étaient rares dans le monde. Books were very scarce in the world. Il n'y avait pas des imprimeries. They did not have printing press. Donc, on pouvait prendre plusieurs années pour écrire un seul livre. So they could take many years before they write just a book. Qui était conservé précieusement. That was kept preciously. Et tous ceux qui avaient des choses à dire. And all those who had things to say. Les déclaraient. Used to declare it. On te place devant les hommes. They put you in front of people. Tu parles. And you speak. Et c'était éloquent. And it was eloquent. Et il y avait beaucoup de disputes. And there was a lot of arguments. Et il y avait beaucoup de discours. And there was a lot of discourse. Quand les apôtres sont venus avec leur part de discours, when the apostles came with their own part of the discourse, on les méprisait. They were despised. Les grands philosophes disaient que mais vous ne comprenez même pas ce que vous racontez. Great philosophers used to say you don't even understand what you're narrating. Où est la raison dans ce que vous dites là? Où est la raison? Where is the reasoning in what you are saying? Where is the reasoning? Le ciel. Vous dites que le ciel si. You say this heaven. Tu es assis de, en haut là-bas. That God is seated up there. Et que son fils est celui qu'on a tué, qui est mort là. And that his son is he who was killed, who is dead. S'il était puissant. If he was powerful, then. Pourquoi ne l'a-t-il pas sauvé? Why couldn't he save him? Heureux les pauvres en esprit. Happy are the poor in spirit. Pour entrer là-bas. To enter there. Tu écoutes la bonne nouvelle. You listen to the good news. Qui est l'exaltation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Which is the exaltation of the work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Quelqu'un meurt. Someone dies. Pour donner la vie. To give life. Les gens ne comprenaient pas ça.
People don't understand that. Ils disent, explique-nous encore ça. Explique, on ne comprend pas. They say, explain again to us. We do not understand. Heureux les pauvres en esprit. Happy are the poor in spirit. Pour entrer dans ce royaume-là. To enter into this kingdom. Heureux les affligés. Happy are the afflicted. Heureux les débonnaires. Happy are the meek. Ça, c'est quel royaume ça? Which kingdom is this? C'est le royaume de Dieu. It is the kingdom of God. Alléluia. Amen. C'est, nous sommes là à ce qui correspond pour Moïse à la montagne du Sinaï. We are here to that which corresponds to for Moses on the mountain of on Mount Sinai. Les qualités que Jésus déclare ici. The qualities that Jesus describes here. Doivent être recherchées par ses enfants. Have to be sought by his children. Un commentateur a dit. A commentator said. Jésus ne parlait pas au monde entier. Il parlait à ses disciples. That Jesus not used to speak to the entire world. He used to speak to his children. Il parlait à ses disciples. He used to speak to his disciples. Regardons verset 1. Let's look Matthieu at 5. Matthew chapter 5 verse 1. Voyant la foule. Now when Jesus saw the Jésus crowd, monta sur la montagne. He went up on the mountainside. Après qu'il se fut assis. And sat down. Ses disciples s'approchèrent de lui. His disciples came to him. Puis ayant ouvert la bouche. And he began to teach them. Il les enseigna et dit. He began to teach them. Il y avait la foule. There was a crowd. Jésus est monté. Jesus climbed up. Il s'est assis sur la montagne. And he sat on the mountain. Ses disciples se sont approchés de lui. His disciples came to him. Et il a commencé à leur dire. And he started telling them. Qui peut être un citoyen du royaume? Who can be a citizen of the kingdom? Et le même commentateur a dit. And the same commentator said. Aujourd'hui. Today, ces paroles concernent maintenant tous ceux qui sont destinés à entrer dans ce royaume-là. That this word concerns all those who are destined to enter into this kingdom. Tous les vrais enfants de Dieu. All the true children of God. Doivent étudier ces qualités. Have to study these qualities. Que certains appellent la charte, le sermon sur la montagne, certains appellent ça la charte du royaume de Dieu. That some people call it the institution of the kingdom of God. La charte est une sorte d'un ensemble de règles, donc c'est une institution. It is an institution. It's like c'est une constitution. A body of rules. It's like a constitution. Non, utilisons plutôt le mot constitution. C'est une constitution. So instead use the word constitution. It is a constitution. Notez ceci. Jot this down. Ça c'est. Je ramène ça dans les livres de commentaires pour que vous sachiez que les gens ont travaillé sur ces choses-là. I bring it back to the book of commentaries for you to know that people have worked on these things. Quand le Seigneur m'a dit parle de ça. When the Lord told me talk about this thing. J'ai feuilleté pour voir si ma compréhension était conforme à celle que les autres avaient eue. I tried to see if my understanding corresponds with that which the others had. Et j'étais heureux de découvrir que j'étais dans la lumière. And I was happy to have found out that I was in the light. Vous notez ceci. Note this down. On constate que le sermon sur la montagne ne présente pas le plan du salut. We notice that the teaching on the mountain does not present the plan of salvation. Et son contenu ne concerne pas ceux qui ne sont pas sauvés. And its content does not concern those who are not saved. C'est ce que je viens de dire là. That's what I le sermon sur la montagne. The teaching s'adresse aux disciples. The teaching on the mountain addresses disciples. Et présente une sorte de constitution. And presents the constitution, a kind of constitution. Une sorte d'un ensemble de règles. That's a kind of a body of rules. Qui doivent être communes, c'est-à-dire des règles qui doivent être communes à tout l'ensemble. That is, the rules have to be in common for the entire group. Applicable à tous les sujets. Applicable for
or every topic or every subject. Tous ceux qui savent par révélation qu'ils vont partager l'éternité avec Jésus. All those who know through revelation that they are going to share eternity with Jesus. Quelques personnes prient que notre esprit saisisse, parce que le serment sur la montagne, c'est une grande bénédiction. That some people pray that our spirits understand this, because the teaching on the mountain is a great blessing. Pourquoi c'est placé au début du ministère de Jésus? Why is it coming before the ministry of Jesus? Pourquoi ce serment est-il prononcé à partir d'une montagne? Why is this teaching being pronounced from a mountain? Qu'est-ce qu'il enseigne? What is it teaching? Qu'est-ce que tu dois apprendre de ce serment? What, en tant que disciple de Jésus de nos jours? What are you supposed to learn from this teaching? Si on rate, as a disciple of today. Le reste c'est le jeu. It's just a joke, a play. Mais si nous saisissons, but if we understand this, if we grab qui vous prêche, j'ai déjà enseigné sur le serment sur la montagne. Myself teaching, I've already taught on the sermon mais on the mountain. Mais je n'avais pas vu le parallèle entre le serment sur la montagne et la loi de Moïse. But I've not yet spoken about the in between the teaching on the mountain and the law of Moses. Atekwa est béni. Atekwa is blessed. Pray. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu nous enseignes, tu nous instruis. Seigneur, tu nous délivres de l'ignorance. Seigneur, ce passage que nous avons souvent lu, Seigneur, que nous n'avons pas compris. Seigneur, ce jour, tu as décidé, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence afin que nous le comprenions. Merci. Merci beaucoup. Seigneur, tu nous fais comprendre ce jour. Seigneur, la position, Seigneur, de ce passage de la Bible. Pourquoi le serment sur la montagne était-il placé donc au début de l'évangile? Seigneur, merci. Tu nous révèles, Seigneur, que tu es un roi. Et tu nous révèles par la suite, Seigneur, en tant que roi, tu as un royaume. Seigneur, tu nous fais comprendre ensuite, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, là, une morale, Seigneur, qui doit caractériser les gens de ce royaume. Seigneur, tu as appelé ça, Seigneur, par ton serviteur ce jour, une charte, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ces règles, cet ensemble de règles, Seigneur, qui s'appliquent à chacun de nous qui aspirons à ce royaume, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, que cela soit étudié. S'il te plaît, que ce ne soit pas juste lu, que ce soit étudié, maîtrisé, pratiqué, Seigneur, dans nos vies. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je vais te dire merci. Et je vais te rendre toute la gloire à notre Dieu. Parce que ce jour, le voile est déchiré. Le voile est ôté parce que le serment sur la montagne est placé au début du Nouveau Testament. Parce que ça me concerne en tant qu'enfant de Dieu. En tant que disciple, si je veux rentrer au ciel, je dois me conformer mais à la charte, aux règles, au notre Dieu, qui régissent le royaume de Dieu. Jésus est un roi. Il a des règles. Et je dois me conformer à ces règles. Je dois les maîtriser. Je dois les étudier. Toute ma vie sur cette terre, je dois marcher selon ces règles. Je dois me comporter selon ces règles si je veux aller au ciel. Donc je dois, chaque jour de ma vie, au notre Dieu, notre Père, avoir le regard sur ces règles et ne pas me tromper. Et notre Dieu, notre Père, être heureuse, notre Dieu, d'être en Jésus-Christ. Père, je prie que ces choses, la chance soit inscrite sur la table de mon cœur, de jour comme de nuit, et que je ne me trompe jamais. Béni sois-tu pour cette richesse que tu m'as donnée, que tu as donnée à l'Église tout entière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Béni soit l'Éternel qui réunit ses enfants. Béni soit l'Éternel qui accorde un tel niveau de lumière à travers sa parole. Béni soit l'Éternel qui accorde de comprendre le parallèle qui entre le message de Moïse et celui qui est sur la montagne, ô roi des rois. Ô Père, merci Seigneur. Merci pour cette charte, pour cette constitution que tu vas nous expliquer, ô roi des rois.
Oh, merci Seigneur notre Dieu. Parce que ce message est destiné justement à tes disciples, à ceux qui sont tes disciples, oh Père. Et nous prions, oh Roi des Rois, que tu accordes à chacun de nous de rentrer véritablement dans ce message. Non pas de l'écouter avec des oreilles, non pas de l'entendre, de l'étudier comme une leçon, mais qu'elle soit véritablement vie en nous par ta grâce. Que nos oreilles s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent pour saisir profondément ce que tu veux nous communiquer, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Oh Seigneur, qu'il n'y ait pas de limitation ni de blocage, Seigneur, à la compréhension de ce que tu veux nous faire comprendre. Seigneur, parce que c'est pathétique, Seigneur, de découvrir ce que tu veux que nous comprenions, Seigneur. Accorde-nous, oh Dieu, de comprendre et de saisir le sens du sermon sur la montagne. Qui entend nous dire que tu es un roi? Tu as un royaume et les sujets de ce royaume doivent se soumettre à la charte de ce royaume, à la constitution de ce royaume. Oh Seigneur, qui est une folie pour le monde, qui est un sujet de rejet, de blâme. Oh Seigneur, aide-nous à nous identifier à toi. Aide-nous à nous identifier à toi. Aide-nous à nous identifier à toi du fond de nos cœurs, Seigneur, afin que ce royaume vienne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Les vrais enfants de Dieu. True children of God. Languissent chaque jour. Hunger every day. Après la justice divine. For true righteousness. Les vrais enfants de Dieu. True children of God. Souffrent dans ce monde. Suffer in this world. À cause des injustices qu'ils observent, qu'ils voient. Because of injustice that they see. Ils veulent un monde sans agression. They want a world with the world of no aggression. Sans corruption. No corruption. Mais ils ne trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. But they can't find it. Le Seigneur leur promet. The Lord promises them. Qu'ils vivront dans un royaume. That they are going to live in a kingdom. Ils seront rassasiés de la justice. Where they will be filled with righteousness. Le trône de Dieu, le trône là où il est assis, le trône est un trône de justice. The throne of God where he is seated is a throne of righteousness. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Note that the kingdom of God is a kingdom of righteousness. Le trône de Dieu est un trône de justice. The throne of God is a throne of righteousness. Les vrais enfants de Dieu veulent vivre et pratiquer la justice. True children of God want to live and practice righteousness. Ils la désirent dans leur vie. They desire it in their lives. Ils la désirent dans leur environnement. They desire it in their environment, in their surroundings. Chaque jour. Every day. Viens lire pour nous 2 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8. Come and read for us 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Nous avons un exemple ici, Lot. We have an example here. Lot était un homme juste. Lot was a righteous man. Il souffrait chaque jour. He was suffering every day. À cause des choses qu'il entendait et qu'il voyait. Because of the things he used to hear and see. La Bible dit il tourmentait son âme. The Bible says he tormented his soul. C'est-à-dire il se refusait le repos. That is, he used to refuse rest. Tu il y a des frères, on peut les envoyer dans une localité. There are brethren that we can send to a locality. On les connaît comme étant des vaillants hommes. They know them as mighty men. Dès qu'ils s'en vont, once they get there, ils admirent les inconduites qu'ils trouvent là-bas. They admire bad behaviors they see there. Ils développent des complexes. They develop complex.
Ils prennent même plaisir à accompagner les habitants dans certaines choses. They find pleasure dans certaines pratiques. Accompanying those who live there in some practice. Certains tombent même dans les péchés. Pratiquement, ils se mettent à boire l'alcool, le koutoukou, la bière, some tout even fall into sin. That's a practice sin. They start drinking avec alcohol. Les populations. Koutoukou with the inhabitants of that area. Mais Lot a refusé. But Lot refused. De convoiter la vie des païens. To convert the life of the unbelievers. Il a refusé de trouver des justifications. He refused to find justification. La parole dit, il tourmentait son âme. C'est lui, c'est-à-dire, il refusait à son âme le repos dans cette ville. The word says he used to torment his soul. That is, he refuses rest for his soul. La parole dit pas que son âme était tourmentée. The word of God said that his soul was tormented. J'ai déjà rencontré des gens, ils sont tellement troublés, tu les dis, mais reste tranquille, ça ce n'est pas ton problème. Ils disent que non, je ne comprends pas. I've already met people that are so troubled and you tell them, be calm, this is not your problem. They say, no, I don't understand. Pourquoi ces gens blasphèment-ils comme ça? Why are these people blaspheming like this? Ça c'est quel type d'immoralité ça? What kind of immorality is this? On lui dit, mais il faut comprendre. Il dit, on comprend quoi? And you tell him, you should understand. You say, what should we understand? Quand what Dieu voit une telle femme. When God sees that kind of woman. Quand il voit un tel homme. When he sees a kind of man. Un tel enfant. That kind of a child. Un tel vieillard. That kind of elderly person. Il lui dit, tu seras rassasié de justice. He tell you are going to be filled with righteousness. Il dit, tu seras rassasié de justice. You are going to be filled with righteousness. Tu n'es pas dans ton monde. Ça, ce n'est pas ton royaume. You are not in your world. That is not your kingdom. Mais je vois comment tu tourmentes ton âme. But I see how you torment your soul. Tu seras rassasié de justice. You will be filled with righteousness. Frère, ça c'est une grande promesse. Brethren, this is a great promise. Tu seras rassasié. Ce n'est pas au sens figuré. Tu seras rassasié de justice. You are going to be filled with justice. La justice. You are going to be filled with righteousness. Littéralement, justice. Ce n'est pas une parabole. Tu seras rassasié. That is the literal meaning. You're going to be filled with righteousness. Le juste Lot tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait des œuvres des païens. The righteousness of des Lot œuvres criminelles. Tormented his soul because of what he was seeing, because of the acts of the unbelievers he was seeing. Est-ce que ton âme est troublée quand tu vois les gens commettre l'impudicité, is your soul les gens tormented? Vivent dans le concubinat. Est-ce que tu tourmentes ton âme ou bien tu as envie de faire, mais tu es bloqué par les frères. Les frères te bloquent. Is your soul tormented when you see people living in immorality, in concubinage? Is your soul tormented or are you blocked by the brethren? Parmi les jeunes gens, amongst the young people, on a découvert que quand les gens vivent dans une même chambre en cité, ils sont zélés. We have noticed that when the people live in the same room in the university environment, they are very zealous. Essaye de les envoyer à Yamoussoukro, pas loin. Dis, dépose-moi cet objet à Yamoussoukro, tu reviens. Just try by sending them to Yamoussoukro. Just tell them, go and drop this object for me, this item for me in Yamoussoukro and come back. Dans le car. In the bus. Ils vont draguer. They are going to woo. La première voisine. Their first neighbor. Quel que soit son teint. Whatever the color is. Il y avait un faux frère. There was a false brother. Un vrai faux frère. A true false brother. Il a commis la fornication avec une demoiselle. He committed fornication with a young lady. Et la jeune fille s'est, elle a confessé. And the young lady confessed. Je lui demande comment vous vous êtes rencontrés où? And I asked her, where did you meet each other? Une païenne, païenne, vraie païenne. An unbeliever, a true unbeliever. Elle dit que non, je marchais avec mon enfant. She said, I was walking with my child.
Et il a soulevé l'enfant, il a porté l'enfant. And he carried the child. C'est-à-dire que, comme un bandit, tu ne connais pas la fille. La fille a son enfant, vous y marche, tu viens, tu portes l'enfant, bam. Just like ça, la fille ne peut pas dire que laisse mon enfant, ne peut pas dire que c'est quoi. Just like et il commence à la baratiner en même temps. You just come and carry her child, and the lady could not say anything. That what is it? Put down my child. Avec un frère, hein, avec l'enfant. That is a brother with a child. Et c'est fini le même jour à l'hôtel. And it ended that same day in a hotel. Il y a des gens qui veulent pécher. There are people who want to sin. Ils attendent une secousse, un petit désordre. They just look for the slightest disorder. Le genre que si vous priez, ton cantique tombe. That kind ça of fait way, un petit bruit. Il dit, mais ça, c'est quelle affaire, ça? Tu ne respectes pas Dieu. That kind of way that while you're praying and maybe your song, your hymn book falls down and makes a little noise. He said, but pourquoi what tu is laisses this? Tomber ton cantique? You don't respect God. How can you let your hymn book fall down? Je rétrograde. That I'm going to backslide. Tu dis pardon, ne rétrograde pas. Non, ton cantique, il fallait pas crier tombe, je rétrograde. And he said, please, you should not backslide. He said, no, I have to backslide. Le problème n'est pas le cantique. Il avait rétrogradé depuis. The problem is not the hymn book. He had already backslidden a long time ago. Même si le cantique ne tombait pas, quelque chose d'autre allait se produire. Even if that hymn book did not fall down, something else would have happened. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Happy, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Le frère Joré nous a rendu son témoignage. Brother Joré gave us his testimony. Il avait donné la vie à Jésus d'une façon authentique, radicalement. He gave his life to Christ in a genuine and radical way. Un jour, one day, une ancienne ennemie du péché, an old sin partner, est entrée dans la chambre. Entered into the room. Il a fermé et a enlevé la clé. Closed the door and removed the key. Le frère a prié, prié. Il a demandé pardon. Il a prié, il a demandé pardon. The brother il prayed and prayed and il asked. Il a demandé pardon. And begged. Il a prié. And he continued begging and praying. Il dit qu'à un moment donné, ses forces étaient finies. He said at one point his strength was finished. Il a dit à Jésus, tu vois. He told Jesus, you see. À ce moment-là, la fille a jeté la clé. Elle l'a ouverte, elle est sortie, elle a jeté la clé. And at that moment, the girl brought out the key and opened the door and threw the key and left. Alléluia. Alléluia. Elle a ouvert, elle a jeté la clé, elle est sortie. She opened and threw the key and left. Dieu a vu qu'il était sérieux. God saw that he was serious. Dieu a vu qu'il était sérieux. God saw that he was serious. Et il l'a sauvé. And he saved him. Il y a des jeunes sœurs, elles marchent, elles regardent à gauche, à droite, s'il y a des gens qui les appellent. There are young girls who walk and they look left and right to see if there are people who are calling for them. Elles ne sont pas tourmentées. They are not tormented. Et elles ne tourmentent pas leur âme. And they don't torment their souls. Une jeune fille m'a dit. A young girl told me. Quelqu'un, elle a croisé quelqu'un au plateau. Non, c'était à Cocody. That she met someone in Cocody. Et la personne lui a demandé son numéro. And the person asked her. Son numéro de téléphone. And the person asked her for her cell phone number. Elle a donné son numéro de téléphone. She gave her phone number. Et le jeune homme lui a dit, tu es le souffle de mon cœur. And the young man said, you're the breath of my heart. Il dit, comment tu as même fait pour que tu entendes ça? And I asked her, how did you even manage to hear that? Parce qu'il y a des jeunes sœurs qui n'entendent pas de pareils discours. Because there are young sisters who do not listen to such discussions. Comment toi tu as fait pour que tes oreilles entendent ça? What did you do for your ears to hear that? Le mois qui suivait. The coming month. Elle était enceinte. She was pregnant. Tu es le souffle de ma vie. You are the breath of my life. Pendant que les autres tourmentent leur âme à cause des choses qu'ils entendent et qu'ils voient, toi tu entends, tu es le souffle de ma vie. While others torment their souls because of the things they hear and see,
You are the breath of my life. Et ce mensonge l'a possédé. And this lie continued. Ce mensonge l'a possédé. And this lie follow her. Et la mort est entrée. And death came in. Vous savez pourquoi il y a l'intercession? Do you know why there's intercession? L'intercession a pour but intercession d'arracher les âmes à Satan. To snatch souls from Satan. Ça demande des gens qui condamnent le monde. It demands of people who condemn the world. Pour arracher une âme à Satan. To snatch a soul from Satan. Il faut que Satan te connaisse comme son ennemi. It means that Satan should know you as his enemy. Que le diable sait. That the devil knows. Que tu n'aimes pas son royaume. That you do not love his kingdom. Que tu n'as pas un projet d'adultère, de mensonge, de fornication. Si tu arrives, tu lui dis laisse, il va laisser. That you do not have any plans of adultery or fornication, and if you have, you say leave it, and he's going to leave it. Et il laisse. And he leaves it. Sinon. If not, si tu dis laisse, if you say leave it, il va dire pourquoi. He will say why. Ce n'est pas toi qui es heureux quand on commet l'adultère. Are you not the one who is happy when we commit adultery? C'est pas toi qui as la collection de films pornographiques. Are you not the one who have a series of pornographic movies? Toi aussi, tu veux me condamner? You too, you want to condemn me? Un président français devait venir à Douala une année. A French president was to come to Douala, that's a certain year ago. On a confié au commissaire principal de la ville d'enlever les fous. D'enlever les fous. Donc on saisit un fou, on le dépose loin. The handed over as the principal commissioner of the town was asked to remove mad people and send them very far from the town. Il y avait un fou qui était il avait été un médecin. En fait, il était un fou médecin, pas qu'il avait été. Il était médecin fou. There was a madman. C'est le poste qu'il n'avait plus. There was a madman who was a medical doctor. In fact, he was a mad medical doctor, just that he did not have a place where he exercises his. C'est-à-dire, il a fini la formation, il est médecin. That is, he has finished his training and he is a medical doctor. Après, later, il a travaillé, il est devenu fou. He started working and he later became mad. Tout le monde savait que voici le médecin qui est devenu fou. Everybody knew that that was the medical doctor who became mad. Donc le commissaire est venu commander qu'on l'arrête et qu'on mette dans le véhicule pour aller déposer. So the commissioner ordered that. C'est-à-dire, c'est le commissaire même qui dirigeait l'opération contre lui. So the commissioner ordered that arrest him and send him and put him in the car and send him somewhere. That is the commissioner himself, which was in charge of taking that medical doctor. Il a demandé au commissaire. He asked the commissioner. Toi aussi. You too. Tu me fais ça. You two are doing this aussi. To me. You too. Dans l'après-midi, le commissaire était fou. And that lady said the commissioner became mad also. Ça veut dire que dans leur milieu là, ils ont fait des choses et ils savent même pourquoi celui-là est fou. That means in their environment, in their midst, they had done things and he knows why this one became mad. Donc faire comme si on ne le connaît pas, ça l'a irrité dans le monde des démons. So to behave as if you do not know would have irritated the world of demons. Il y a un prix à payer, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Seigneur, Seigneur, encore faut-il agir et condamner l'injustice. Et n'être retrouvé dans aucun cas d'injustice. Sinon, Seigneur, comment expérimenter le bonheur des hommes justes qui seront rassasiés dans le royaume de la justice? Où le trône est un trône de justice. Oh Seigneur, enseigne-moi la justice. Enseigne-moi à être juste. Enseigne-moi à être juste. Enseigne-moi du fond de mon cœur à être juste. Oh Seigneur, afin d'avoir part à cette promesse.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, pour cette promesse. Tu nous dis que nous serons rassasiés de justice. Que ce monde dans lequel nous nous trouvons n'est pas notre monde. Seigneur, en vivant dans ce monde, nous devons être des personnes dont, Seigneur, l'âme est tourmentée chaque jour. Quand on voit l'injustice se commettre, quand on voit le péché, Seigneur, à tout bout de champ, Seigneur, que notre âme soit tourmentée. Seigneur, c'est le prix à payer, ô notre Père, notre Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, la capacité, ô notre Père, Seigneur, de ne point prendre plaisir, Seigneur, quand les choses mauvaises se commettent, Seigneur, sous mes yeux. S'il te plaît, je vais être cette personne, Seigneur, dont l'âme est constamment tourmentée, ô notre Père, notre Dieu. Tu t'en supplies. Seigneur, je veux être rassasié de justice. Je veux vivre cette promesse. Bénis-moi la capacité de payer le prix pendant que je suis encore ici, Seigneur. Ô notre Père, ce que mes yeux voient, ce que j'entends, ô notre Père, que l'attitude de mon cœur change, que j'ai une attitude de cœur d'un vrai enfant de Dieu pour haïr ce monde, condamner ces choses, ô notre Dieu. Accorde-moi, Seigneur, cette faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous dis le but de l'intercession. C'est d'arracher les âmes de l'ennemi. Et pour que nous puissions arracher les âmes de l'ennemi, ô Éternel, il faut que ce soit clair que l'ennemi n'a rien en nous. L'ennemi n'a rien en moi. Donne-moi, ô notre Dieu, d'être tourmenté jour et nuit à cause des âmes périssantes des hommes, que je ne me donne point de repos. Oh, contre toute injustice, que je ne condamne pas, Seigneur, sur les autres, ce que moi-même je suis, ce que moi-même je fais. Parce que l'ennemi, oh, va répliquer. Oh, et tu vas aller dessus pour prier, pour intercéder. Il faut que le diable sache qu'il n'a rien. Ô Éternel à moi, Seigneur, nous t'en supplions. Père Éternel, fais de nous un peuple, des gens tourmentés par l'injustice qui se passe, Seigneur. Ô l'injustice autour, l'injustice, Seigneur Éternel, que nos yeux voient. Et de nous établir comme des hommes et des femmes de justice, Seigneur, afin d'avoir la puissance pour intercéder et arracher les âmes de l'ennemi et les transférer, ô Éternel, par ta puissance dans ton royaume. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi cette faveur. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te rends grâce pour ce message qui m'amène à confronter mon cœur face à ta sainteté, face à ta purité. Seigneur, merci pour cet enseignement, Seigneur. Oh Dieu, qui m'amène à confronter mon cœur, Seigneur, à l'égard de ce que je vois, de ce que j'entends, Seigneur, de la mondanité. Mais tu as confessé que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi, Seigneur. Tu pouvais juger le monde, tu pouvais juger le péché, tu pouvais condamner le péché dans la vie des gens, parce que, Seigneur, le diable n'avait rien à te reprocher. Seigneur, 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 je prie, Seigneur. Oh Dieu, que tu aies pitié de moi. Seigneur, je ne peux pas dire que le diable n'a rien à condamner à moi, Seigneur. Parce que je n'ai pas toujours été tourmenté face à certains agissements, face à certains actes, Seigneur. Seigneur, j'étais indifférent, j'ai juste hoché les épaules. C'est le mondain. Mais je n'ai pas été choqué, Seigneur. Comme tu aurais pu être choqué, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, c'est que mon cœur est malade, Seigneur. Quand je ne pleure pas, Seigneur. Seigneur, le cœur sanctifié pleure même quand ce n'est pas lui qui a commis le péché.
même quand ce n'est pas son proche qui a commis le péché. Il suffit qu'il entende qu'un péché a été commis quelque part. Il est choqué parce que ta gloire a été offensée, Seigneur. Je prie que tu aies pitié de moi pour toutes les compromissions. Je prie que tu aies pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, je vais traiter avec mon cœur. Je vais traiter mon cœur face au péché, face à l'injustice, pour m'assurer, Seigneur, qu'il n'y a point d'injustice en moi, Seigneur. Pour m'assurer, Seigneur, que quand je me tenir à la brèche, que le diable ne vienne pas m'accuser pour me dire que tu es disqualifié pour la prière. Je te supplie, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et aide-moi afin que lorsque je me tenir dans ta présence, Seigneur, que je sois capable de dire au diable, laisse. Que je sois capable de dire au diable, laisse, ne touche pas. Ne touche pas. Et que le diable m'obéisse. Oh Seigneur, parce qu'il n'aura rien trouvé à reprocher à moi. Aide-moi, Seigneur. Et aide chacun d'entre nous ici. Seigneur, afin que nous soyons des intercesseurs au mets pur. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 14, verset 17. Romans chapter 14, verse 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Nos vies, our lives, doivent languir après la justice. Has to hunger after righteousness. Un jour, le Seigneur me parlait, il m'a dit que quand on aime le monde, one day the Lord was talking to me and he said, when we love the world, ça veut dire que tu es en train de proclamer que les viols sont bien. It means that you are proclaiming that rape is good. Que les viols sont bien. Faut qu'il y ait des violeurs. That rape is good, that we should have rapists. Aimer le monde, c'est une autre manière de dire que les braquages, les violences sont normales. Loving the world is another way of saying that aggression, violence is normal. Quand tu aimes le monde, when you love the world, tu veux dire que les vols, you mean that les outrages, stealing, sont une bonne chose, que c'est bien, c'est bien. Outrageous act is a normal thing. Ça doit régner. That is good. It has to reign. Je veux ce règne-là. Je veux qu'il y ait des outrages, des viols, des violences. I want this kind of violence, reign. That there should be violence, des meurtres, rape, killings. Aimer le monde, c'est aimer ces choses-là. Loving the world is loving these things. Donc, un enfant de Dieu normal. So a normal child of God. Attend avec impatience l'avènement du Seigneur. Wait impatiently for the coming of the Lord. Un enfant de Dieu normal, c'est-à-dire qui n'a même pas beaucoup de révélations. A normal child of God, that is, he or she does not really have a lot of revelations. Qui sait que un jour nous serons ensemble avec notre Père éternel. Who knows that one day we are going to be together with our eternal Father. Un jour, je voyais une photo des nudistes, les adultes nus. Des centaines de personnes, centaines de milliers. One day, I saw a picture of many, that's hundreds of thousands of naked people. Le diable se débrouille à travers eux pour s'affirmer. The devil. Ce que Satan peut égarer par ce moyen-là, il les égare. The devil is trying to use them to get his acts done. That what Satan can do through this means. Mais la Bible parle dans Romains des gens qui approuvent ceux qui font ces choses-là. But the Bible talks in the book of Romans that those who approve of those who do these things. Tu ne fais pas, tu ne pratiques pas. You do not practice that. Mais tu te dis, mais il faut les laisser. Ce n'est pas grave. You can let them be. It's not serious. It's not that serious. Quelqu'un peut déjà évaluer. Someone can already evaluate. S'il mérite d'être citoyen dans ce royaume. If he is worthy of being a citizen of that kingdom. Que personne ne te trompe. On peut évaluer. Tu peux t'attribuer une note. Let no one deceive you. You can evaluate yourself. You can attribute a mark to yourself. Le jugement qui est descendu sur la femme de Lot montre comment et combien Dieu souhaite, Dieu désire, pas souhaite, il veut the judgment that came que ses enfants
soit à lui à 100%. The judgment that came in front of Lot can show how God wants his children to be for him 100%. Il ne regarde pas derrière. He said, do not look behind. Elle a regardé. She looked behind. Le feu l'a brûlé. The fire burnt her. Elle fut calcinée. And she became a statue. Nous sommes en train d'étudier le discours de Jésus. Jésus dit, we are studying the discourse of Jesus. Que malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière. Ça n'a pas changé. That did not be the one who puts his hands on a plow and looks behind. C'est le royaume de Dieu. Seulement que nous sommes là devant le roi lui-même qui nous parle. It is the kingdom of God. Avec la seule précision que ici le roi lui-même parle du royaume et des sujets de ce royaume. With the precision that the king himself is talking to us about this kingdom and the subjects of this kingdom. Le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. The kingdom of God is not food and drink. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. But of righteousness, peace and joy by the Holy Spirit. Frère, brethren, ne perds pas facilement ta paix. Do not lose so easily your peace. Dans le ministère pastoral, in pastoral ministry, j'ai rencontré des gens I have met people qui s'évaluent en fonction du contexte matériel, de l'environnement matériel. Who evaluate themselves as regards to their material environment, that's the material context. Tu peux trouver une sœur mûre. You can see a mature sister. Mûre de telle sorte que quand tu la vois, tu commences à sourire de joie. Mature in such a way that when you see her, you start smiling out of joy. Mais quand elle va s'asseoir, and when she goes to sit, pasteur, rien n'a changé. Pastor, nothing has changed. Bon, là, il n'y a pas de problème. There is no problem. Qu'est-ce qui n'a pas changé? What has not changed? Mes affaires ne marchent pas. My business is not moving. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est le commerce? Is the kingdom of God about business? Il y a d'autres critères pour t'évaluer. Le commerce là, même un Libanais peut t'enseigner comment on vend les achats. There are other criteria to evaluate yourself. About business, even a Libanese can teach you how you can do business and... Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. The kingdom of God is of righteousness, peace and joy by the Holy Spirit. Cherchez premièrement le royaume et toute la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God and his righteousness. On cherche. We seek la justice. Righteousness. On la poursuit. We pursue. On la pratique. We practice. On s'attache à ses principes. We attach to its principles. On devient l'ami de ceux qui l'aiment, de ceux qui la pratiquent. We become the friend of those who love it and those who practice it. On livre ses membres à la justice. We give quand on lit Romains chapitre 6. We give away our body parts to righteousness. When on livre ses membres à la justice. We give over our body parts to on dit, ma main ne formera plus jamais un coup de poing pour poser sur quelqu'un. That my hands will never form a blow to give someone. Mon pied, my leg, ne suivra plus jamais les voies tortueuses, les voies mauvaises. Will not follow again bended ways. La Bible dit, suivez avec vos pieds des voies droites. The Bible says, follow with your legs straight path. L'évangile est prêché par plusieurs personnes. The gospel is preached by many people. Chacun dit que Dieu l'a envoyé. Everyone says God has sent him or her. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Mais frère, que personne ne te trompe. But brethren, let no one deceive you. Demande à la personne, est-ce que tu as la Bible? Ask that person, do you have a Bible? Est-ce qu'il y a le sermon sur la montagne dans ta Bible?
Do you have a teaching on the mountain in your Bible? Est-ce que tu as vu le portrait du citoyen céleste donné par Jésus lui-même? Have you seen the portrait of a heavenly citizen given by Jesus himself? Que personne ne te trompe avec les faux débats. Il y a la repentance n'existe pas, la repentance existe. Est-ce que tu sais que quand Jésus a ouvert la bouche pour la première fois, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Let no one deceive you by false debates that repentance does not exist. Ask the person, have you seen the teaching in the Bible that happy are those who have pure hearts, for theirs is the kingdom of God? Frères, réjouissez-vous, nous sommes dans la vérité. Brethren, rejoice, for we are in the truth. C'est d'abord la première satisfaction. That is the first satisfaction. Nous sommes à une époque où chacun doit vérifier si on ne l'a pas trompé. We are in an era where everyone has to check if he or she was not deceived. Est-ce que l'évangile qu'on m'a donné est correct? The gospel that was given to me, is it correct? Il y a une manière de le regarder dans la parole. There is a way of looking at it in the word. Et ça te donne l'assurance. And it gives you that assurance. S'il y avait que la loi sur la montagne, quelqu'un va te dire que la loi est finie. Mais le serment sur la montagne, est-ce qu'il est fini? If it was only the law on the mountain, someone would tell you that the law is over. But the teaching on the mountain, was it only about the law? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison que les apôtres enseignent à poursuivre la justice. It is for this reason that the apostles teach on how to pursue righteousness. Ils ont appris ça où? Dans le sermon sur la montagne. Where did they learn that? That is on the teaching about the mountain. Nous sommes dans la vérité. We are in the truth. Je comprends ces choses d'une nouvelle manière. I understand these things in a new way. Je comprends pourquoi quand le frère Zach prêchait. I understand why when Brother Zach preached. Il nous rassurait toujours. He always used to assure us. Quand il parle, il parle, il parle, il corrige, il cogne. Après, il s'arrête et dit, j'ai beaucoup voyagé. When he talks, he corrects, he knocks, and he will say, I have traveled a lot. Les nôtres sont meilleurs. As is the best. Il veut dire, mes enfants, oui, acclamez. Parce que le frère Zach, c'est un homme que Dieu a choisi et bâti pour nous. Because brethren, brother Zach was a man that God chose. Quand on tremblait, chacun reste là comme ça. Après, il dit, mes enfants, j'ai beaucoup voyagé. C'est-à-dire, j'ai vu les autres, mais les nôtres sont meilleurs. After trembling, and we stay there, donne le courage. You say, my children, I have traveled a lot. Is the best. Ce courage là sanctifie même. The discourage even sanctifies. Que si on te dit même encore, va voler, tu dis, je ne vole plus. That when they tell you, go and steal, and you say, no, I won't steal anymore. C'est ce que le frère a produit. That was what brother produced. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il est bon que dans cette lutte-là, it is good that in this fight, nous autres qui sortons et qui entrons, those of us who go out and enter, et qui écoutons, and who listen, que je puisse vous dire, demeurons ensemble et avançons. And I can tell you, stay together and we move on. Que personne ne vienne te tromper. Let no one come and deceive you. Les gens qui lisent la Bible, selon notre méthode là, c'est ce que Dieu cherche. Those who read the Bible according to our method, that is what God is looking for. Ceux qui prennent un verset et ferment le reste là, Dieu ne les connaît même pas. Those who take one verse and close the other verses, God does not even know them. Nous voulons te bénir pour l'évangile, le type d'évangile que nous avons entendu et pour le type d'évangile que nous sommes en train d'entendre. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Et nous prions que cette appréciation nous sanctifie et nous vivifie et nous rend fort pour nous garder de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est vrai. Nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans la vérité. Seigneur, ton évangile que tu nous as donné
est limpide. Ton évangile que tu nous as donné nous a sauvés, Seigneur. Je suis un témoin vivant que nous sommes dans le véritable. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Pour le don du frère Zach. Pour le don, Seigneur, du pasteur Meunier. Pour le don de tous tes enfants. Seigneur notre Dieu. Donne-nous de nous fixer en toi. Donne-nous de resserrer nos liens. Donne-nous de resserrer nos liens. Donne-nous de resserrer nos liens et d'avancer dans la victoire parce que nous sommes dans le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sujet n'est pas surtout que nous sommes dans la vérité. You know, the topic is not about if we are in the truth. Le sujet, c'est que Dieu nous demande beaucoup. The topic is about is that God is asking a lot from us. Il dit, allez-y. He said, priez. Go, pray. Arrachez-moi les âmes. Snatch souls par for me. Par votre vie et par vos prières. By your lives and through your prayers. Vous êtes mes enfants. You are my children. Mais l'enseignement arrive au niveau où ça devient un grand travail à faire dans nos vies. But the teaching is getting to a level that it demands a lot of work. Les autres sont des croyants, mais ils rient même quand les gens pêchent et ça les amuse. Mais toi, tu pleures tous les jours. The others are believers, but they even laugh when people commit sin. But you are crying every day. Et c'est Jésus qui te demande un cœur qui pleure, qui est tourmenté quand il voit l'immoralité. But it is Jesus who is asking from you a heart that cries, that is tormented. Jésus when you dit, see immorality. Les citoyens de mon royaume sont troublés, ils tourmentent leurs âmes quand ils voient les gens fumer la cigarette. Jesus says, the citizens of my kingdom are tormented, that their soul is troubled when they see people smoking cigarettes. Et il te demande, quand toi tu vois un fumeur de cigarette, est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu as mal même? And he's asking you, when you see somebody smoking cigarette, do you feel bad? Dans ton assemblée, est-ce que tu as pitié des frères qui ne sont pas consacrés? Ou bien tu les convoites même, tu te dis, elle est bien, on la laisse faire, ou bien on le laisse faire. In your assembly, do you feel pity for those who are not consecrated, or do you convert them and you say, let's let them be? Quand tu marches, that's quand normal. Les filles ont des mini-jupes, est-ce que ça te tourne, est-ce que tu es tourmenté? Est-ce que tu pleures de contrition pour lui? When you walk and you see young girls with short skirts, do you cry? Do you feel troubled within for her? Si tu veux prier pour les gens qui ne volent pas, est-ce que tu ne toi-même la petite dit même que on dit garde ça pour ton Dieu. Est-ce que tu n'as pas bouffé ça? If you want to pray, do you? On dit de condamner les voleurs. Est-ce que toi-même qui es là, même la petite dîme de Dieu, ton père là, tu as pris, tu as déjà volé. They say you should condemn thieves. Your own tithes and offering that they say you should keep it and give it to God. You have already stolen it. Est-ce que tes prières peuvent délivrer quelqu'un du vol? Can your prayers deliver somebody from theft? Après, after, je vous rappelle que répondons à l'appel de Dieu. Later, I'll remind you that you should respond to the parce call of God. Parce que nous sommes ses vrais enfants. Because we are his true children. Que notre Père en Christ, qui s'appelle le professeur Zacharias Tanefomum, that our Father in Christ, who is called Professor Zacharias Tanefomum, qu'a-t-il nous montré les exigences de Dieu? When he used to show us the demands of God, il faisait aussi tout pour que personne ne soit découragé. He used to also do everything so that no one be discouraged. Quand il élevait le standard, when he used to raise the standards, et qu'on se trouvait affaibli, découragé, and we feel weak and discouraged, et il disait, he used to say, même comme je suis en train de vous parler, even as I am talking to you, et je vous frappe,
And I strike pour vous conduire dans ce chemin-là. To lead you to this way. Mais sachez que vous êtes bon. But know that you are good. J'ai regardé ailleurs. I have looked outside. Je sais que dans ce que j'ai vu là, vous êtes les meilleurs. I have looked at others. Mais ce n'est pas le jeu. And I know that what I have seen, you are the best, and it is not a joke. Mais allez-y. But continue. Encore et encore. Again and again. Est-ce que vous suivez? Are you following? Si tu es sérieux, if you are serious, si on te décrit seulement ce que doit être un enfant du royaume, if you describe to you that is what is supposed to, what they mean by being a child of the kingdom, si tu es sérieux et humble, if you are serious and humble, tu as envie de redonner ta vie à Jésus, you feel like giving your life to Christ again. Tu te demandes avec ça là, est-ce que je peux aller au ciel? And you ask yourself with this, can I go to heaven? Et à ce moment là, and at that moment, même le Seigneur lui-même, si tu le vois, il a sa main sur ton épaule et te dit, vas-y, tu peux. Vas-y, tu peux. And even the Lord himself, if you can see him, he has laid his hand sur on your shoulder. Surtout ceux qui se sentent déjà indignes. Go on, you can, go on, you can. Ceux qui ont déjà commencé à se dire, c'est fini pour moi, oh Seigneur. Especially those who feel themselves unworthy, who have already started saying, oh, oh Lord. Ceux qui sont vrais, qui ont commencé à dire que, hey, est-ce que je peux arriver? Those who are true, who have started saying, will I be able to get there? Dieu n'aime pas les orgueilleux. God does not love the proud. Mais un père normal. But a normal father. Ne sème pas les vrais. Does not sow the wheat. Un père normal ne dira rien qui va te tuer. A normal father will not say anything that is going to kill you. Que votre cœur ne se trouble point. May your heart not be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi, disait Jésus. Believe in me and believe also in God. Mais que personne ne te trompe que la repentance est finie. And let no one deceive you that repentance is over. Ne pas le péché. That there is no sin. Que ça c'était la loi. And that was the law. Demande, est-ce que le sermon sur la montagne c'est aussi la loi? Ask him, is the teaching on the mountain also about the law? Un chrétien, a Christian, qui a une vie qui n'est pas fondée sur le sermon sur la montagne, who has a life who is not founded on the teaching on the mountain, about the teaching on the mountain, il n'est pas chrétien. He is not a Christian. C'est ça que vous devez proclamer. C'est pour ça que Dieu dit nous sommes forts. That is what you have to proclaim. God says you are strong. Vous voyez moi-même avec toutes les luttes là, je n'ai jamais oublié que Jésus-Christ est là. You see me even with all the fights, I've never forgotten that Jesus Christ is there. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous n'entendrez jamais qu'il y a un verset biblique que le pasteur ne sait pas expliquer. You never hear that there is a Bible verse that the pastor is not able to explain. Parce qu'il a commencé à boire le kutuku. Because he has started drinking kutuku. Il fait la fraction du pain avec le kutuku. And he does breaking of bread with kutuku. Jamais, jamais, jamais. Never, never, never. Frères, brethren, nous devons aller. We have to go. Mais sans se décourager. But without being discouraged. Tu peux être assis là où tu es assis là. Tu dis à Dieu, oui, un seul oui intérieur, tu as déjà transformé. You can be seated where you are sitting now and say, God, I want you. Inside, tu ne discutes même pas. Already transformed. Le diable fait des bruits, des bruits en gros, tu ne l'écoutes même pas. The devil can struggle around, struggle. You don't even listen to him. Tu dis à Dieu, moi. You tell God, me. J'aurai ce cœur. I'm going to have this heart. Et je l'accepte maintenant. And I accept it now. Sans parler, ton histoire a changé. Without talking, your story has changed. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. It is that God who is our God.
Donc, c'est un sujet qui ressemble au sujet, le premier sujet quand tu venais de croire. So it's a prayer topic that resembles the first prayer topic that when you just believe. Que tu vas aller au funérail ou tu ne vas pas. That you, should you go to the funeral or you're not going. Tu vas aller au mariage ou tu ne vas pas. And that you should go to the funeral and say you're not going. And they say don't go. Go to tu te retrouves si, comme don't si go. On t'a attrapé dans un piège. Tu croyais que c'est une chose facile. Jésus-Christ, tu avales. C'est sucré. And you find yourself orange, tu avales, c'est sucré. And you find yourself as if it's in a trap that you have been caged, and jus d'ananas, merci Seigneur. And you say Jesus Christ, oh it is sweet, pineapple juice, oh thank you Lord. Mais c'est une coupe amère. But it is a bitter cup. Mais ça attire la gloire de Dieu. But it draws the glory of God. It attracts the glory of God. Les autres vont te tromper, vous exagérez, frère. C'est faux, n'écoute pas. Nous ne sommes rien même. On n'a même pas encore commencé. Others are going to deceive you by saying you are exaggerating. No, it's a lie. We have not even yet started. J'avais un professeur. Il devait être possédé. I had a professor who was supposed to be possessed. Quand il donne le cours, when he gives a lesson, à un moment donné, il arrête. At a given time, he stops. Il met les mains dans les poches. He puts his hand in his pocket. Il dit, Monsieur Meunier. And he says, Mr. Meunier. Dieu va vous appeler un jour. That God is going to call you one day. Il vous dira. And he will tell you. Mes enfants, revenez, vous m'avez laissé. My children, come back. Vous êtes allé plus loin. I have remained behind and you have gone very far. Monsieur Meunier. Mr. Meunier, Dieu va vous dire, hey, revenez, je suis resté ici. God is going to tell you, come back. I was left here. Si tu es fou, tu peux croire que c'est vrai. If you are crazy, you can believe that it is true. Mais si tu es sage, heureusement, moi j'étais sage. But if you are wise, luckily, or fortunately, I was wise. Suffisamment sage pour comprendre qu'il n'y a aucun saint. Je ne dis pas un pécheur, aucun saint sur la terre qui peut évoluer jusqu'à dépasser Dieu. Why say no? De telle sorte que Dieu soit amené à lui dire non, reviens, tu m'as dépassé, reviens. Why say enough to know that there is no saint that can go right to the level of going above God, going past God, and God will say, come back, I was left behind. Donc, c'est le diable même qui m'a tenté. It was the devil himself who was tempting me. Frère, brethren, la Bible dit, the Bible says, quand nous avons lavé nos corps, nos âmes, nos esprits, que nous sommes purs. When we have washed our body, our soul and our spirit and we are clean. C'est toujours aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. C'est toujours aux yeux de Dieu comme nous sommes toujours à ses yeux comme des vêtements souillés. We are still in front of his eyes as with dirty garments. Donc Dieu nous demande d'être de vrais citoyens. So God is asking us to be true citizens. Mais l'exhortation de notre Père, c'est que pendant que vous faites ce travail, ne vous découragez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Mais ne vous arrêtez pas, vous n'êtes pas encore parfait. Avancez toujours et toujours. But, si tu as compris ça, tu peux prier maintenant. But the teaching of our Father on this is that even while you're doing that, even while you're on the right way, you should not be discouraged, but you should continue moving forward. Tu ne t'arrêtes pas. If you have understood that you cannot parce pray, que tu n'es pas stop. Encore ce citoyen-là. You do not stop because you are not yet that quand citizen. Tu regardes ton cœur, when you look at your heart, mais tu es sur le droit chemin. But you are on the c'est right ce chemin-là que les gens prennent pour arriver. It is that way that people take to get there. Donc, avance. So, avance. Move forward. Sans découragement. Without being discouraged. Que personne ne dise que quand le pasteur a fini de parler, je me suis demandé si je dois même encore continuer. Let no one say when the pastor finished talking, I asked myself, should I even continue? Et le Saint-Esprit peut être en train de délivrer quelqu'un. And the Holy Spirit can be delivering qui a eu cette pensée-là. Who had had that thought. Et Dieu jette son filet sur toi. And God is throwing his net on you. Et te tire comme un petit poisson. To draw you like a small fish.
qui ne savait même pas qu'il est important. Who did not even know that he was important. C'est quand tu vas réaliser que tu es seul dans le filet, tu vas croire que donc c'est moi, c'est pour moi seul que Dieu a fait tout ça. So it's when you realize that you are alone in that net and you know that so it was because of me alone that God did that. Priez. Lord, I thank you because being inside the truth, Father, I have to push forward. I have to move forward because there is never a day a saint on earth can do more than and surpass you. Father, thank you for this word of encouragement. And let it be crafted in each and every heart in Jesus' name. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ces paroles qui sont la vérité, Seigneur. Seigneur, merci de ce que je ne verrai pas qui pourrait me prêcher un autre évangile comme l'évangile de la CMCI qui m'a conquis. Ô Seigneur, merci de ce que, ô Seigneur, a sorti d'ici. Seigneur, je marcherai, Seigneur, dans la droiture, dans la justice, Seigneur. Même si c'est mon enfant qui est dans le péché, que je puisse lui prêcher l'évangile, Seigneur, et qu'il soit transformé. Seigneur, donne-moi la capacité et la force de pouvoir dire la vérité qui est dans l'évangile, qui est vrai. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, je veux te dire infiniment merci. Parce que dans ton amour, tu as connu le besoin de mon cœur. Seigneur, je cherchais la citoyenneté céleste. Comment je pouvais être rassuré? Oh, que je vis selon les principes que tu donnes. Seigneur, ce jour-ci, tu es en train d'ouvrir mon esprit. Pour que je comprenne, Seigneur, que étant sur la terre, si je marche selon ce que tu nous dis, oh Père, oh, j'ai cette citoyenneté. Pour que ton nom soit béni, je veux compter sur toi, Seigneur. Pour que tu sois celui qui me tienne par la main, pour me conduire chaque jour de ma vie. Et que Seigneur, pour ceux qui sont autour de moi, que je sois cet intercesseur, Seigneur, oh, qui crie à toi, pour que tu puisses aussi les aider, pour qu'ils puissent te sauver, qu'ils sachent que Dieu les veut pour lui, et que chacun de cette terre-ci, Seigneur, peut marcher, oh, pour plaire à son Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu mets dans ma bouche les paroles, Seigneur, qui puissent les amener à toi. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te dis merci. Et je te rends toute la gloire, Père éternel. Seigneur, merci parce que l'espoir renaît. Et c'est encore possible, oh Père éternel. Parce que je me posais la question, est-ce que c'était possible encore, Père éternel, de pouvoir être avec toi, Père éternel? Parce que je voyais les difficultés et je me posais des questions. Mais ce matin, Père éternel, mon cœur se réjouit. Parce que tu m'as placé à la CMCI, Père éternel, pour me montrer le règne qui réjouit. Oh, Père éternel, la vie céleste, Père éternel. Et ce matin, tu me faisais comprendre que l'enseignement sur les sermons à la montagne, Père éternel, écrit, oh, Père éternel, ce sermon est écrit pour que, oh, Père éternel, je puisse. Oh, très bon Dieu, travailler sur mon cœur, afin que je puisse être qualifié. Je te bénis, Père éternel, parce que c'est tellement simple, c'est la compréhension ce jour, Père éternel, et que tout se coule maintenant, Père éternel. J'y arriverai, oh, Père éternel, j'y arriverai, et je retrouverai mes frères vaillants pour célébrer, oh, Père éternel. Ma citoyenneté est possible désormais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, on dit la dernière phrase. Dis la dernière phrase. Ma citoyenneté est possible. Non, non, non. Tu es citoyenne. Je suis citoyenne céleste. McDonald a dit que quand on lit le sermon sur la montagne. McDonald a dit. Non, non, écoute. Écoutez ça très bien. C'est un passage qu'on n'enseigne pas souvent dessus. Listen very well. It's a passage that we don't read sometimes to the teachers. Cette session est bénie. And this session is blessed. Il dit quand on lit, on voit que le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. He says that when we read, we see that the Lord is not addressing the pagans, the unbelievers. Il y a un royaume.
There is a king de la roi. There is a king. Il a ses sujets. Ce sont ses sujets. Il ne discute pas avec quelqu'un. And he has his subjects. There are his subjects. He's not arguing that with anyone. Il leur donne le portrait. Il commence par leur donner le portrait d'un citoyen de son royaume. And he starts by giving them a portrait of a citizen of his kingdom. Et il dit que dans le sermon sur la montagne, il n'y a pas le plan du salut. And he says that in the sermon about the mountain, there is no plan of salvation. Mais nous connaissons le plan du salut. Tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie. Mais il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en Jésus, tu te repens, Dieu te pardonne, tu es déjà citoyen. Donc, là où tu es debout là, tu es un sujet citoyen du royaume de Jésus. So where you are standing, you are a citizen of the kingdom of Jesus. Nous prions pour que chacun se conforme au régime de ce royaume là. We pray that each one should conform to the requirements of this kingdom. À la constitution de ce royaume. To the constitution of this kingdom. Quand tu es dedans. When you are inside, tu vas même pas le mot, tu es citoyen ivoirien. Il y a des actes, tu poses, on t'envoie en prison. Mais tu es citoyen ivoirien. Even in the world, you are an Ivorian citizen. There are acts that when you commit, they send you to prison. Yeah, you are an Ivorian citizen. There are rules. Du point de vue du monde même, tu n'as rien payé pour être ivoirien. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. From the point of view of the world, if you paid nothing to become to be an Ivorian, you are an Ivorian. Mais pour être libre, marcher dehors, il y a des règles. But to be free and walk outside freely, there are rules. Tu le viol, tu vas à la maca. You go against them, they send you to the maca. Mais tu seras toujours un citoyen ivoirien, mais à la maca. But you still remain an Ivorian citizen, but in the maca as a prison. Ça c'est ce qui concerne le monde. That is about what concerns the world. Mais pour nous, but for us, nous sommes les citoyens du ciel. We are citizens of heaven. Jésus nous révèle le type d'homme qu'il veut. Jesus is revealing to us the type of man he wants. Et tu t'engages à te conformer à cela. And you commit yourself to conform to that. Et c'est ça qui nous donne l'autorité pour arracher les âmes du monde et les amener à Jésus. And that is what gives us the authority to snatch men from the world and to snatch souls from the world and bring them to Jesus. Il y avait la foule. There was a crowd. Jésus s'est détaché. Jesus came out from that crowd and climbed on the mountain. Les disciples se sont approchés de lui. His disciples came towards him. Et se mit à les enseigner. And he started teaching them. Il n'a pas dit qu'il se mit à enseigner la foule et ses disciples. He did not say, the Bible did not say, they're teaching the crowd and his disciples. Il enseigne là où nous sommes là. Tu es disciple de Jésus. Where you are now, you are a disciple of Jesus. Citoyen du ciel. Citizen of heaven. Il y a une question simple. Quelqu'un qui est amoureux de la pornographie, il regarde tout le monde. Est-ce qu'il peut condamner le monde? There is a simple question. Someone who is in love with pornography, who watch pornographic pictures and movies, can you condemn the world? Vous voyez? La réponse est non. You see, the answer is no. Tu veux intercéder. You want to intercede. Tu t'assois devant la télévision. You stand in front of the TV. You sit in front of the TV. Comme une sœur me disait que elle a eu des oppressions, j'ai prié pour elle. J'ai dit, maman, est-ce que tu as mal rêvé? Like a sister was telling me that she had oppressions, and she prayed for her, and I asked her, did you have a bad dream? Oui, on a rêvé d'une artiste. She said yes, she dreamt about an artist as a music. Je dis, c'est une chrétienne, non, une païenne. I asked her, is it a Christian? She said no, a pagan. Et on a brisé les liens. And we broke her ties.
Il y a des esprits derrière les artistes. There are spirits behind artists. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Quand tu tombes amoureux de cet artiste, if you fall in love with that artist, ou cet artiste, or a female artist, tu as contact direct avec les esprits qui travaillent pour lui ou pour elle. You are in direct contact with the spirits that are working for him or for her. Et tu peux connaître des oppressions que tu n'arrives pas à t'expliquer. And you know oppressions that you are not able to explain. Si tu aimes un footballeur, if you love a footballer, le genre que dit son nom dans ton cœur bat. In a kind of way that when they mention his name, your heart beats. Quand on dit qu'il va jouer, when they say he's going to play, tu manques la réunion. You absent from the meeting. Le genre des Drogba, des Eto et des autres, je ne connais pas ceux de cette année. The kind of Drogba, Eto, I don't know the ones of this year. Tu es dans le collège de leurs démons. You are in the college of their demons. Les voix, on appelle les femmes là, vous êtes dedans. Il y a un corps, il y a des démons pour les gérer. Those that the what you call the fans, there is a body of demons that rule them. Donc la vie que Jésus donne, le portrait, s'il nous donne l'autorité même déjà sur le monde. Mais quand tu refuses ça, tu ne peux pas avoir l'autorité sur le monde. So the life that Jesus gives us authority over the world. But when you refuse this, you cannot have authority over the world. Le problème c'est que il faut qu'on prie vraiment. The problem is that we need to pray truly. Quand on dit heureux des pauvres en esprit, il y en a qui ne réfléchissent même pas que si ça les concerne ou pas. When you say blessed are the poor in spirit, il y a un voile qui couvre le cœur. There are those who do not even think if it concerns them or not. There is a veil that covers hearts. La Bible dit que quand les gens lisent l'Ancien Testament, le voile le cœur est couvert d'un voile. The Bible says when people read the Old Testament, their hearts are covered with a veil. Et que ce voile est enlevé quand le cœur se convertit à Christ. Quand le cœur devient des vrais disciples de Jésus. And that this veil is removed when hearts are converted to Christ, when hearts become true disciples of Jesus. En fait, le sermon sur la montagne est la lecture de Jésus de l'Ancien Testament. In fact, nous allons le voir tout à l'heure. The sermon on the mountain, c'est la lecture, is the reading du Christ, c'est-à-dire le Christique de l'Ancien Testament. Is the reading of Jesus of the Old Testament. C'est-à-dire que la lecture du Messie, quand le Messie lit l'Ancien Testament, venez porter ici. That is the reading of venez, the Messiah, venez. When the Messiah reads the Old Testament. Venez vous abriter là. Il y a des prières sont dans vos cœurs, on ne peut pas les laisser. There are prayers in your hearts, you cannot let them go. Come and shed yourself here. Et écoutez bien, Jésus est en train de lire l'Ancien Testament. C'est moi qui dis ça pour que vous puissiez comprendre. Jesus is reading the Old Testament. I'm saying so. I'm the one who's saying so that you can understand better. C'est pour ça que bientôt on va tomber là où il dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. That is why we are going to soon get to where you say you heard that it was said that, you heard that it was said that, but I am telling you that. Alléluia. 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 Eh, votre amen là n'est pas clair. Your amen is clear. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ. Non, vous avez applaudi, je comprends maintenant. Acclamation. Priez maintenant. Seigneur, d'aller, Seigneur, dans le monde, Seigneur, pour arracher, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont encore dans le monde, Seigneur. Merci pour cette vie que tu me donnes de communiquer, ô Père éternel, pour amener plusieurs à toi, ô Père éternel. Je te rends grâce, Seigneur. Merci infiniment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.